Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est trailer réaction et comme vous pouvez le voir j'ai encore les griffes de Wolverine en PVC, pas en métal. Aujourd'hui on va réagir à la deuxième bande-annonce de Deadpool 3 alias Deadpool and Wolverine. Je suis super hype. J'avais déjà réagi à la première bande-annonce il y a 2 mois à peu près, je m'en rappelle plus trop. Et l'affiche se met actuellement sur la vidéo en haut à droite de votre écran, je crois, à droite. Bref, on s'en fiche. J'ai très hâte de voir cette deuxième bande-annonce. Ryan Reynolds avait sorti un petit teaser sur sa chaîne YouTube pour promotionner justement la sortie de cette deuxième bande-annonce. Et la voici, elle est sortie, elle est sur YouTube. Et sans plus tarder, on va regarder la deuxième bande-annonce de Deadpool and Wolverine. C'est parti. Je te l'ai dit. Ça commence bien, l'iconisation de Wolverine dans un bar. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé ma belle, je suis pas intéressé. Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps alors. Allez hop, on y va. Oh, t'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans. Fous-moi la paix. Si tu veux pas d'un deuxième trou du cul au milieu du front, t'as intérêt à me suivre. Yeah! Marvel Studios. Le logo de la 20th Century Fox. Ah, le costume de Wolverine dans ce film, il est incroyable. Vraiment. J'en ai rien à foutre. C'est ça que t'as dit quand ton monde s'est retrouvé dans la merde? Oh, répète pour voir. Tous les X-Men sont morts dans son monde. Complètement laissé tomber son univers. Wow. Oh, dans les steaks. Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback? Non, va te faire foutre. En juillet. Waouh, badass. Ah bah ils ont retiré les manches. Les manches du costume pour faire vraiment comics accurate. Ah stylé. Je suis pas un héros. T'étais un X-Men. C'est vrai, le X-Men. Le X-Men qui a lancé la franchise. J'ai mouillé ma culotte. Ah yeah. Ah la musique. Ils seront toujours. Est-ce que c'est bête, un garçon? C'est vrai. Mais c'est de ça que je parle. What? Ant-Man. La super méga grosse scène au ralenti. Oh, ça fait Mad Max Fury Road, ça. Qui sait si on survivra ou pas? Yeah. Faire la bagarre. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. What? What? Quoi? Y'a un portail! On se fait une petite ligne. Arrête! La coke, c'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit. Mais on peut parler de Blanche-Neige si tu préfères. Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, y'a des listes. Je peux pas dire sucre en poudre. Dis les gars de la marine. Poussière de fée. Même le talc, on peut pas. Je voudrais un bonhomme de neige. Moi aussi. Mais non. Ah, le 24 juillet au cinéma. Ah, la référence avec le bonhomme de neige avec Elsa et Anna dans La Reine des Neiges. Ah, c'est incroyable. Ah, mais c'est... Il y a trop de trucs, là on va débrief, là on va parler de plein de trucs, je vais re-regarder le trailer sans le son en même temps que je vous parle. Ouais non c'est incroyable, c'est incroyable. Alors le début du trailer on a Wolverine dans un bar, ce qui du coup comme j'ai dit iconise le personnage, hein, parce que quand on connaît Wolverine il est souvent dans des bars, hein, voilà. Et puis il y a Deadpool qui vient le chercher parce que peut-être il a besoin de lui pour faire la mission... Pour la TVA, probablement. Après, qu'est-ce qu'on a? Attendez. Ah non, mais il y a tellement de trucs à dire. Il y a tellement de trucs à dire. C'est incroyable. Le logo, bon, il est magnifique. Donc, ouais, le costume, comme j'ai dit, le costume de Wolverine, il est magnifique aussi. Vraiment, c'est jaune, bleu. Pour moi, c'est le costume avec Moon Knight. Moon Knight, pardon. Le costume le plus beau du MCU et le costume le plus beau tout court, en fait. Je pense que je me l'achèterai un jour, hein. Ça c'est clair. Hein. Le costume, il est magnifique, je suis désolé. Jaune, bleu, j'adore le jaune, c'est ma couleur préférée. Et comme ça, là, enfin, incroyable. Vraiment, il est...
Il est magnifique. J'ai dit magnifique plein de fois dans cette vidéo, mais c'est vrai, j'adore ce costume-là, je vais me le prendre, hein, ça c'est sûr et certain. Il fait très comics accurate, le bleu et le jaune, voilà, et puis on a vu plus loin dans la bande-annonce que les manches vont être retirées pour vraiment faire comics accurate et faire ressortir les bibis de Hugh Jackman. Voilà, non, vraiment, super beau. J'adore le costume, je me le prendrai un jour, ça c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, Deadpool qui dit que tu as laissé ton monde tomber, donc... On a une petite scène là un peu bizarre où on voit peut-être des tombes. C'est peut-être, je sais pas, une scène cauchemardesque ou soit dans la vraie vie de cimetière des X-Men dans le monde de ce Wolverine-là. C'est incroyable, hein. Ils vont jouer la carte émotionnelle un petit peu, il y a le côté nostalgique, full No Way Home un petit peu, même si là ça va être vraiment bien, on va dire, comment dire... Ça veut rien dire ce que j'ai dit, je sais, mais comment dire. Ils vont vraiment jouer le jeu du multivers à fond, quoi. Voilà, j'ai vu plein de leaks, il y aura plein de variants. Voilà, on a vu Dogpool aussi dans la bande-annonce. Voilà, non, vraiment, ça va être incroyable, je le sens. Les scènes de combat aussi, ça va être vraiment trop, trop bien. Le brisage du quatrième mur, comme d'habitude. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu... du visuel sur la méchante, je sais plus son nom, mais c'est la sœur jumelle du professeur Xavier, normalement, voilà. Je ne connais pas trop ce personnage, mais c'est pour ça que j'ai hâte de le découvrir, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, vraiment aussi la base dans le corps de Ant-Man en version géant, incroyable. C'est gore aussi, il y a du sang, c'est pas mal, ouais, non, vraiment, j'ai hâte de voir le film, quoi. Vraiment, la séquence dans le néant qu'on a pu voir dans la série Loki saison 1 et saison 2, le néant avec la bestiole, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui bouffe justement les êtres humains qui sont dans le néant. Ah non, et puis même là, il y a un plan d'ensemble où on voit plein de personnages qu'on a pu voir dans les précédents X-Men. Waouh, mais c'est incroyable, là, ça va être insane. Hein. Ouais, on a des plans aussi qui ressemblent à Mad Max Fury Road, qui est vraiment assez sympa. Les plans sont très cool. Alors, photographiquement, je pense que ça va être de la D, hein, honnêtement. Mais là, il faut s'attendre à juste du scénario et du multivers à fond, quoi. Il faut s'attendre à ça quand on regarde ce genre de film, quoi. C'est très gris, c'est très plat. Voilà, faut s'attendre à ça, quoi. C'est un peu dommage, mais... Et puis la méchante, elle a un peu les pouvoirs comme Magneto qui contrôle le métal. Alors je ne sais pas si c'est juste, elle peut déplacer ce qu'elle veut ou juste le métal. Je ne sais pas. Mais ça a l'air vraiment sympa. Non, vraiment, ça a l'air violent, gore. Les blagues sont sympas. C'est trop bien. Non, vraiment. Et puis à la fin, what the fuck, en fait. Il saute, je crois, il saute de l'œil d'Ant-Man en version géant dans un portail. Alors, est-ce que ils vont rejoindre l'univers des X-Men dans l'univers où on a pu... Ouais, attends, j'ai mal formulé. Est-ce qu'ils vont sauter dans l'univers qu'on a pu voir dans le post-crédit de The Marvels, avec justement la bête et Binary? Peut-être. Ou soit l'univers du MCU. Aucune idée. Je ne sais pas. À vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Voilà. Dans quel univers ils vont sauter, ou peut-être dans totalement autre chose. Voilà. Mais en tout cas, il y aura Doctor Strange. Non, parce que concrètement, d'où sort ce portail-là? Honnêtement, il sort d'où ce portail? Je ne comprends pas. Alors, c'est pour ça. Je pense que Doctor Strange, il sera là. Hein, ou soit c'est Deadpool comme un con qui a pu récupérer un anneau et qu'il est magicien, comme par hasard. Hein. Voilà, ça serait drôle. Mais ouais, non, vraiment, je suis très content de cette bande-annonce. Elle donne super envie. Hugh Jackman, toujours en forme, toujours la patate pour tout défoncer avec les griffes, vraiment incroyable. Et puis Deadpool, pareil aussi, avec ses fameuses blagues, tout ça, scènes d'action, gore, violence, et vraiment, ça va être incroyable. Voilà, comme j'ai dit, au niveau photographie, ça va pas être fou, ça va être très gris, très, voilà, pour pouvoir faire des derniers changements à la dernière minute, évidemment. Mais bon, voilà, je pense que ça va être un très bon divertissement, ça va être fun, voilà. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez de la deuxième annonce de ce Deadpool et Wolverine. Moi, j'ai très hâte de voir ce film-là, sincèrement. Voilà, non, vraiment, ça me donne très, très, très envie.
Voilà. Et la musique, je crois, si je me trompe pas, c'est une musique de Madonna. J'espère que je vais pas me faire démonétiser. Qui s'appelle Like a Prayer, si je me trompe pas. Et ouais, c'est un bon choix de musique aussi pour la bande annonce. Voilà. J'ai pas mal parlé. Donc, tout simplement, la vidéo va s'arrêter. En tout cas, je suis très content. Sincèrement, je suis très content de cette deuxième bande annonce. Ça donne très envie. Elle est très hypante. Voilà. Bon, allez. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Non, je suis allé trop vite. Calmos, mettez un pouce bleu, commentez, partagez, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Là, je peux le dire. Là, je vous dis à la prochaine. Salut!